Avant de commencer ce tuto, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter, mais aussi à activer la cloche pour recevoir une notification dès la sortie des prochaines vidéos. N'oubliez pas que la chaîne a besoin de vous, alors n'hésitez pas, si vous le pouvez, à nous soutenir en cliquant sur le lien donation dans la description de cette vidéo. Merci à toutes et tous par avance. Bonjour à toutes et tous, je vous avais présenté dans une vidéo précédente le lecteur d'échantillons gratuit de chez Decent Sample, Decent Sampler. Une nouvelle n'arrivant jamais seule, c'est cette fois-ci Cameron, le youtubeur bien connu avec la chaîne Venus Theory, qui vous propose de bénéficier gratuitement de sa toute dernière création, Horace Polyscape. Alors, il s'agit ici d'une librairie créée grâce au tout dernier synthétiseur de chez Arturia, le Polybrut 12. Pour en bénéficier, il vous suffira de télécharger la librairie à partir du lien se trouvant dans la description. Puis, une fois que c'est fait, de décompresser l'archive sur le bureau, par exemple, comme j'ai pu le faire ici. Puis, d'ouvrir le répertoire et de glisser le fichier .dslibrary à l'intérieur de Decent Sampler. Immédiatement, un message vous demande si vous voulez installer le preset à l'intérieur de la librairie de l'instrument, autrement dit de Decent Sampler. Alors, je vous conseille de le faire. Pourquoi ? Parce que si vous ne faites pas d'installation, pour pouvoir réutiliser cette librairie, il vous faudra répéter l'opération de glisser-déposer du fichier contenant la librairie à chaque fois. Donc pas très pratique. Ici, je vais bien évidemment installer en cliquant sur le bouton Yes. Et on voit que automatiquement, mes presets contenus dans ma librairie me sont proposés. Donc ici, je vais charger le premier. Et on voit que l'interface de l'instrument virtuel apparaît à l'écran. Alors, pour vérifier que vous avez bien installé la librairie et que vous n'aurez pas à refaire de glisser-déposer comme je vous le disais précédemment, il faudra aller dans le bouton Browse et dans la section, dans l'onglet File Browser. Si vous voyez apparaître ici votre librairie, c'est qu'elle a bien été installée à l'intérieur de l'instrument virtuel. Au total, vous bénéficierez d'une dizaine de presets. Ces presets seront des sonorités atmosphériques, au paysage sonore assez énigmatique. Mais bien que vous n'ayez pas un très grand nombre de sonorités dans l'Horace Polyscape, je suis certain que vous ne manquerez pas d'inspiration en commençant à jouer avec ces presets. On va d'ailleurs les écouter un par un pour se faire une petite idée.
Une petite librairie bien sympathique donc, et qui plus est, entièrement gratuite. Alors pourquoi se priver ? Voilà pour cette toute petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.